Aidez-moi! Tu joues à quoi? Vas-y, arrête là! D'ailleurs, Younes, il est où? Non, Younes aujourd'hui va pas venir manger ici, moi je suis un pote. Eh, hey, tu connais pas la nouvelle règle? S'il y a 10 000 likes sur cette vidéo, on ressort une vidéo demain. Donc si tu veux des vidéos tous les jours, like! Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc une vidéo assez particulière. Comme vous devez le savoir, on est en période de ramadan, c'est la fin du ramadan. Et sur la chaîne YouTube pendant le ramadan, il n'y a pas eu beaucoup de pranks. Donc du coup, là, on va reprendre les pranks en grande pompe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que comme vous savez, Younes, frérot, la bouffe et lui, c'est un truc de malade. Je sais même pas s'il y a la famille qui passe avant la bouffe ou la bouffe passe avant la famille. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, il est en train de faire son sport. On arrive bientôt au phtol. Et au phtol, je vais l'enfermer dans le garage. Je vais l'enfermer dans le garage. Et on va voir sa réaction. Mais vous inquiétez pas, je sais que ça se fait pas. Je vais pas l'enfermer longtemps. C'est parti. Avec le Covid et tout, on sort plus trop. Je suis devenu tout blanc. Waouh, faut que je bronze un peu là. Bon, la famille, faut que je trouve un plan pour l'enfermer dehors parce que ça va pas marcher comme ça. Là, déjà, vous savez quoi, on va aller voir ce qu'il va faire. On va essayer de trouver un bon plan pour essayer de l'enfermer. Est-ce que ça filme déjà? Ouais, c'est bon, c'est carré. Bon, salam tout le monde, j'espère que vous allez bien. Enfin, je sais même pas, je fais l'intro, Yacine m'a demandé de filmer. Je sais même pas pourquoi, je pense qu'il veut vous montrer si j'arrive toujours à faire avec le ramadan des bonnes performances à la muscu. En plus, je regardais, j'ai pris du gabarit depuis les 4 semaines là. Je vais pas me mettre torse nu parce que dehors il caille et j'ai froid, je suis pas encore chaud. Et regardez, ça, là je suis à froid, hein, ça se voit pas trop. Mais franchement, j'aime bien, les abdos ils sont là. On va attendre Yacine, je sais pas, il va faire fort là. Tu fais quoi là? Quel dos? Ah, tu fais de la muscu? Je t'ai mis ton cap, ta caméra, tu voulais que je fasse quoi? Bah en fait, je voulais juste que tu nous montres si t'arrivais à garder tes performances pendant le ramadan ou pas. Il y en a plein qui disaient qu'on peut pas faire de sport pendant le ramadan. Je peux faire du sport. Mais trop fatigué et tout. Mais est-ce que tu vas réussir à avoir les mêmes performances ou pas? Genre les barres à 100 kg? Ouais, les barres à 100 kg, les tractions et tout. Tractions, ouais, mais barres à 100 kg, j'ai peur de me blesser. Après, la dernière fois, je me suis. Tu vois ici, là dans le coude, ouais. J'avais grave mal quand j'ai mis. Je peux mettre 90. Mais tu penses qu'ils vont dire que je suis mauvais, non? C'est eux, je sais pas, hein. C'est toi et eux. Moi je pense essaye, au moins fais de ton mieux. Mais par contre je ne mets pas torse nu, il fait grave froid. Non, tu mets pas torse nu, ça sert à rien. Ouais, déjà les tractions j'arrive bien. Vas-y. Tu vois là, ça, quand ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Tu vois? Ah ouais, c'est vrai que t'as. Arrête bien. Eh ouais, moi je reviens, il fait maman, maintenant il fallait me demander un truc, je reviens. Vas-y, bah moi je commence, j'ai pas le temps, ça va être l'heure du tout là. Vas-y, commence, t'inquiète, je serai de retour bientôt, t'inquiète. Il faudra que tu mettes son développé couché. Hein. Ouais. Vas-y mon gars. A few moments later. Moi je vais pas l'attendre 100 ans les gars, vas-y, moi je vais commencer, c'est bon. Je commence frère, c'est trop. Juste vous montrer un truc de malade, si vous voulez avoir des... Moi, comment j'ai eu mes abdos? Vous allez voir dans une vidéo transformation, là, Inch'Allah, je vais la sortir bientôt. Vous allez voir les abdos. C'est cet exercice-là, faut que vous trouviez un arbre. Et vous le faites. Ah, par contre, arrête de dire, ouais, je suis faible, j'arrive pas, ouais, moi, j'aurais pas. Eh, vous pouvez le faire, frère, c'est juste... On est tous des humains, on a tous la patate, frère, grâce à Dieu, il nous donne la patate. Vous accrochez comme ça, et là... Vous essayez d'en faire au moins 5. Comme ça. Eh, c'est incroyable comment ça travaille. Vraiment, c'est incroyable. Et tu sais quoi, ça va vous renforcer là. Parce que les abdos c'est tout ça. Hein. C'est tout ça les abdos. Bon, ça y est, on l'a enfermé. On va le laisser mijoter un petit peu là au début. Je pense qu'il va pas s'en rendre compte parce qu'il va être dans sa séance. Mais à un moment donné, quand il va rester 2-3 minutes, il va paniquer, c'est sûr et certain. Parce que lui, en fait, dès qu'il finit son sport, il doit aller faire sa douche et après manger. Donc il arrête, on va dire, 10 minutes avant, tu vois. Il va péter son crâne. Eh, vous savez quoi, je suis pas un gamin, je vais pas le priver de dîner. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais attendre que tous les meilleurs trucs soient mangés et je vais l'appeler un peu comme ça, il restera que des légumes. Ouais, ça va être clair là, mais qu'est-ce qu'il fait? Tu vois, quand il veut tourner une vidéo, il casse la tête, il est jamais là, frère. Ah. Bon, c'est bon, j'ai fini. Hein. Moi, tant pis, je l'attends pas. Il a joué à Fortnite, moi je vais aller grind, frère. Pas que ça va faire de l'attendre, excusez-moi, mais il est jamais à l'heure, ce mec, c'est incroyable. Vraiment. Je vais aller manger et puis on verra ça plus tard. Du coup, il faudra que je supprime la vidéo en vrai. Ça va mettre ça, juste peut-être les abdos. Puis voilà. Wesh. Qu'est-ce qu'il y a où la clé? Qu'est-ce que c'est trop bon la vie d'artiste?
on se balade sur TikTok. Écoute. Écoutez, écoutez, écoutez. Mais pourquoi c'est fermé? Attends, il y a un problème. Oh! Y'a quelqu'un? Allô? Eh oh! C'est une blague. Mais faut que je mange. Elle ouvre la clé, je vais péter un plomb, wesh. Putain, la clé, wesh. Hey! C'est Younes de votre famille, ouvrez-moi la porte! Oh! Putain, y'a personne, frère, ils sont en train de manger sans moi, quoi! Yassine, regarde la quiche que maman elle a faite! Ouh là 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 là, elle a l'air incroyable! D'ailleurs, Younes, il est où? Non, Younes aujourd'hui va pas venir manger ici, moi je suis un pote! En plus, c'est pas bien de s'énerver, c'est le ramadan. Ah, ça sent grave bon ce truc. Faut pas couper mon jeûne avec de lui. Aidez-moi! C'est l'heure de manger. Ah, est-ce que la porte, tu me l'as laissé fermer? C'est l'heure de manger, c'est fini le ramadan. Mais il y a un Kinder, c'est l'heure de manger. Non? Non, mais la porte, tu me l'as laissé fermer. C'est l'heure de manger. Comment ça sort? Ah, merci. C'est fermé. Ça? C'est fermé. Bah où? Où mais c'est fermé. C'est ça que tu cherches? Ouais, la clé. Vas-y, tiens. Voilà. Mais tu joues à quoi? Vas-y, arrête là. C'est l'heure de manger. Tiens, Kinder, si tu veux. Tu veux un Kinder? Bien. Non. Mais ouvrez-moi la porte. Vas-y, je te l'ouvre. Vous avez vu, c'est quoi cette famille de fous là? Essaye. C'est fermé. Yassine, je peux pas dire de gros mots, c'est le ramadan. Ah, c'est fermé. Par contre, j'ai le droit, je crois que j'ai le droit de lancer ça pendant le ramadan. J'ai le droit. Non, c'est fermé, Yassine. Vas-y, ouvre la porte, là. Fermé. Mais ouvre la porte, c'est l'heure du ftôr. C'est l'heure du ftôr? Ouais. Mais ça me fait. Mais Yassine, c'est l'heure du ftôr, c'est pas Noël, hein. Ouais. Non, vas-y, ouvre-moi la porte. Maman! Voilà, ça, ils sont au secours! Il veut m'empêcher de manger! Tu sais, ils sont manger quoi? De la pizza. Putain, mais Yassine, ouvre la porte! Il n'y aura plus de pizza. Il va rester que des légumes. Ouvre la porte, je vais te mettre ça dans la tête. Ouvre la porte. Vas-y, ok. C'est bon. Vraiment, elle est fermée là. Toujours pas. Tu veux la clé, elle marche pas. T'es un gamin, ouvre-moi la porte. 1 hour later. Les gars, il arrive. Putain, je suis mort, il va me défoncer. Oh, je suis dans la merde, les gars, il arrive. Je sais pas comment je vais faire là. Toi, tu joues à quoi, toi, en fait? Tu joues à quoi? À quoi? Pourquoi tu dis je vais manger chez un pote, je sais pas quoi? Il reste plus rien à manger, t'es mort. Regarde ce qu'elle m'a donné. Pourquoi tu me fais ça? Rien fait. Ta tête de gorille mal taillée. Pourquoi tu me... Regarde ce que je dois manger. J'ai jeûné toute la journée. J'ai pris ton quinoa. Il reste que du quinoa, des pastèques et des... Je sais même pas comment ça s'appelle ça, frère. C'est bon le quinoa, c'est marrant. Mais qu'est-ce que bon. Je t'ai fait? C'est bon le quinoa. Pourquoi tu fais ça? Il y a de la pastèque. Les pranks, pas pendant le ramadan. Wesh, c'est trop, Yassine. C'est la fin en plus. Il y a de la pastèque, bah tu fais gollerie, c'était ton dernier kilo, je crois, j'y en ai plus dans l'armoire. Hein. Quoi? Bah frère, tu dis ouais, il va manger chez un pote, maintenant il me dit quoi? Quoi? Il reste plus rien. Ah? T'es moi, il me reste quoi? C'était mon dernier quinoa. Non, mais on a dit les pranks, fais pas les trucs comme ça, c'est relou. C'est un prank, smahalé, hein. c'est obligé, c'est mais comme là, ça. Là, c'est que t'es mort, hein. Le ramadan il va se terminer. Là, je vais pas dire de gros mots, je vais pas. Même après le ramadan, je vais pas dire de gros mots, j'arrête les gros mots. J'ai tenu une promesse, je dis plus de gros mots et j'arrête de dire Wallah sur le Coran de la mec. Ça c'est pas bien, faut pas le dire. Mais les pranks, mon gars, Aïssa, il a une chaîne YouTube, mais t'es mort. Regarde, s'il te plaît, regarde ce que je dois manger pour la. J'ai jeûné plus de 20 heures, regarde. Les tomates. Regarde. On mange pas? J'ai jeûné, j'ai faim, j'ai envie de manger maintenant. Bois de l'eau. Tu vois ma tête là? Tu vas faire une tête pire. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. On va le bombarder de pranks. Moi je vous laisse là. Ciao, ciao.